Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Harry Lulu, je vous l'avais pas présenté sur ma chaîne encore. Non, 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 jamais. Jamais je vous avais présenté Harry Lulu. Du coup, bah, écoutez, c'est toujours un bon deck, Harry Lulu. Voilà. Donc, raison de plus de vous le présenter aujourd'hui. Si vous voulez grind avec du Harry Lulu, c'est possible. C'est largement possible. C'est un deck efficace. Alors, basé sur la combo. Lulu, Pyromasher, Harry, Pyromasher, on remonte, on redéfausse pour le reposer grâce à Gamine des Rues ou Recycleur du Puisard. Voilà. Il y a une synergie avec les Pyromasher dans le deck, c'est l'élément clé. C'est pour ça qu'on joue 3 Pyromasher et 3 Babouins Boomer. Je vous donne un petit exemple de sortie super efficace. C'est Gamine des Rues sur Pyromasher, avec un T2 Harry, T3 Lulu, vous êtes les rois du monde. Parce que derrière, vous faites Lulu sur Harry. Sur Pyromasher, ce qui va faire une Lulu 3-3, une Harry 4-4, qui va taper, qui va ensuite taper à la place du Pyromasher. Enfin, vous avez compris. Ça, c'est une sortie de dingue. Ça réussit à souvent gagner la game tout seul. Le problème, c'est quand vous n'avez pas Pyromasher, vous êtes un petit peu perdu au début de la partie si vous ne l'avez pas. Mais ça va, ça reste quand même assez bien. En milieu de partie, vous pouvez jouer Seinen pour piocher, booster vos unités. Il y a un kill bien sûr au Poro, vous jouez des canons à Poro. Donc élusive plus boost grâce au Seinen ou boost grâce au Vagabondeur, c'est super efficace. Vous swarmez le board assez vite, mine de rien, avec ce deck. Il y a un petit équipement random que vous pouvez utiliser soit sur Pyromasher, soit sur les élusives. Et le reste, vous avez du finisher avec les tirs mystiques et les enthousiasmes qui lui servent de gestion, bien sûr. Annulification en petite, un exemplaire, un petit peu comme l'équipement. J'aime bien mettre de petits trucs en 1, c'est toujours efficace. La pomme étourdissante pour vous garder un petit peu de temporisation et vous pouvez l'utiliser avec Harry, ne l'oubliez pas. Maîtrise jumelle, ça va d'abord vous servir à protéger vos champions. Que ce soit Lulu Harry, voire Pyromasher. Accessoirement, ça donne le plus 2, plus 0. Si vous devez mettre 2 points en plus quelque part, bien sûr, hein, on pense toujours au létal. Mais c'est dommage, ça fait plus 3, plus 3, plus 0, décidément. Ça fait un petit peu nerfé, mais c'est toujours efficace, maîtrise jumelle, notamment pour le plus 3 de défense. Les petits rejets pour contrer ce qui vous embête. Et vous avez ici un deck super efficace. Alors, pourquoi il n'est pas trop joué en ce moment, Lulu, Harry, je sais pas trop. Écoutez, il y a tellement de decks jouables, mais sachez que voilà, il fait partie des decks complètement hors méta, hein, il fait partie des outsiders que vous pouvez prendre et grind avec assez facilement. Voilà, bah écoutez, on voit ce que ça donne en vidéo. Let's go dans la partie, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je n'y répondrai pas. Allez, à de suite. Oh. C'est étonnant ça. Yumi Brome. Ok. On a Gamine Pyro. Je pense qu'on va virer Canon et Maîtrise pour essayer de choper Lulu ou Harry par exemple. Mais déjà avoir Gamine Pyro au début du jeu, c'est pas mal. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Lulu, super. Alors ça, c'est pas cool. Par contre, je pense que je peux faire ça. Je joue pas des dégâts en face. Normalement. Je pense pas qu'il y ait des avalanches ou des... ou autre chose de ce style. Ça va peut-être pas servir non plus, hein. Mais bon, on va le garder. Et on va enchaîner avec Lulu. Ça, c'est pas la clairière. Pas cool ça. Je m'y attendais pas du tout. Je passe. Il y a donc du stun dedans. Ok. Le cœur est le plus puissant des muscles. Rome. Sauf quand il est fait de guimauve. Putain, je pense que je vais enlever l'annulification. Hein. Mmh.
Bonne chance et amusez-vous bien. Ok. Ok. Très bien. Comment je gère ça, moi? Faire un truc pas mal. En route pour une nouvelle aventure. Ah ouais, mais non, mais... Ça veut dire que je sacrifie mon pyro, là, pour mettre de la patate. Utilisons toutes les couleurs. Voyons si on peut mettre, si on peut gagner à la patate. Silence, ok. On le met à 11. On le met à 11. Ok. Ça me va. Il reste plus que Brom en jeu, 3 cartes en main. Je devrais... Un tour. Je devrais gagner à avoir un board éclaté comme ça. D'abord, on se bat. Vous connaissez mon bouclier? Est-ce qu'on sauve Lulu? Je pense pas que ce soit nécessaire. Hein. Je pense que je vais la sauver. Hein. Ok. Eh ben, meurt. Elle meurt, la Lulu. Ben, je propose Babouin, Pyro, et on enchaîne avec Jeune Vagabondeur. Qu'est-ce que je vous sers? Ça, ça fait chier. Facile, vous voyez? Ah! Ah ouais, mais je peux pas, là. On y va, hein. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Brom sur le pyro. Tu dois régler ton ardoise. Il a un énorme Brom, mais il peut pas me tuer, quoi, avec. Y'a pas de surpuissance. Qui va faire la fermeture? Il a plus qu'une carte en main, moi je vais me refaire. Non, on devrait... On devrait s'en sortir. Ça fait peur ce Brom, mais on devrait s'en sortir large. On devrait devenir amis. Ok. C'est la Lulu que j'enlève là. Et c'est totalement inattendu là. J'y peux rien. Ok. Bon. Bah, il faut que je fasse deux insaisissables, hein, j'ai pas le choix. On va essayer de rentrer deux et de finir aux dégâts. Hein. Oh, mais il y a toujours de tout, c'est pas possible! Ok.
Ok. J'ai pile l'étal. Imaginez, il y a un soin. Après, je peux attendre. Allons trouver un nouveau meilleur ami. Je peux attendre d'avoir quelque chose à défausser. On va faire ça. Comme ça, s'il y a un petit toucher inspirateur, ben, il me restera un enthousiasme. Ouais. Allons-y. Lise. C'est good. Petit effet de surprise. Ça fait longtemps, ça. Ça fait très longtemps. Je vais garder le babou hein, qui me donne le pyro en espérant avoir soit canon à poro, soit gamine des rues. On a canon à poro, on a même un pyro mâcheur qui peut arriver maintenant, je vais pas me gêner. L'empereur commande, la terre obéit. S'il a joué sa T1, c'est qu'il va aller chercher un champion. Presque. Je l'ai. Je mets le babouin au cas où il attaque avec la 2-1, voilà, on va bloquer comme ça. Par contre, j'ai pas vraiment envie de me faire avoir par une pierre taillée. On va bloquer. On va bloquer juste comme ça et je vais pas bloquer avec mon pyro. Chaque lame, chaque battement a sa place. Alors là. Je vais là où me porte le vent. Alors là. Deux pas sous le clair de lune. Pompon cucu. J'espère. Trop lent. Mon pays. Ah, ça fait plaisir. Je ne danse pas pour oublier, mais pour me souvenir. Ouais, bon, ça, on va laisser passer. Par contre, il y a un shoot sur Irelia qui est mérité. On se remet à la Mel Pyro, du coup. Et bon. Vois ce que nous voyons, soldat. La forêt nous entoure. Ma maison. Seyerdel est mon partenaire. Des mains rapides pour un travail précis. Ça devrait le faire, hein. Sa main se réduit grandement. Il n'y a pas eu d'Azir, il n'y a pas eu de site. Ok. Pas dangereux ça. Dans les épaules.
Vous ne pouvez pas gagner. Bah allez, on bloque. Du sable et du sang. Toi tu veux. J'ai rien fait. Et tu veux le. Et toi tu veux là. Notre soleil se lève. Il y a plus de board, moi je peux mettre full board maintenant et enchaîner avec Seinen. C'est assez violent. Vous régnez sur la forêt, Seinen, et elle règne sur vous. Ouais. Une fois dans le rythme, plus de temps pour la peur. Oh, on va faire l'effort, hein. On va faire l'effort de bloquer. Hop. Combien j'ai là? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Affrontez-moi. 12, 13, 14. Hop. Ok. Trop lent. Allez, troisième game. Oh, putain, il y a de la variété aujourd'hui. On a chopé Yumi Brom, Azir à l'ancienne avec Irelia et maintenant un petit Jace Lux. Je vais garder le canon. Bon, par contre, Jace Lux, ça risque de pas être une partie de plaisir. Ok, là, on va passer. On va passer parce que j'ai rien à défausser ici. On va attendre d'abord le babouin. C'est un début de game, voilà quoi. C'est pas le top du top. Ouh. Ça, c'est pas la clairière. Est-ce qu'on peut aller chercher? Ouh, on peut peut-être. Allez, voyons. Ça va plus vite en sautillant. Change à Animus. Ça, c'est la sortie Dream. Sortie de rêve. Mais il y a de la solution en face, voilà. Ok. Au revoir le Pyro Masher, c'était un plaisir. C'est dommage. Ça portait bien. Ok, donc on pourra au moins sauver Lulu. On va piocher. Est-ce qu'on resterait pas comme ça? Toi tu vas aller là, toi tu vas aller là. Ouais non, on y va. J'ai attrapé la moisissure du puisard. Je vous protège. Ouais, mais tu vas manger ton stun, Tu vas manger ton stun, tu vas sur Lulu toi, n'est-ce pas? Ouais. L'honneur me guide. Voilà. Pour être sûr que ce soit lui qui aille sur Lulu, je vais laisser attaquer avant de mettre le stun. Et maintenant avec Harry, on va avoir un truc sympa. Même s'il n'y a pas de pyromasher, il y a de l'illusive. Donc on peut Lulu sur Harry, Harry sur insaisissable. Oh mais par contre, attendez, il y a un babouin là. Je viens d'avoir un babouin. Changement de plan. Parce que du coup, on peut faire gamine des rues. Ouais, il y a Lux, bien sûr, qui est embête. Chiant. Bon. J'ai
j'ai un souci, parce que si je fais Harry, je fais Lulu sur Harry, qui devient 4-4, qui tape là, ouais, je me fais quand même empaler ma Lulu dans le résultat des courses. Ça, c'est embêtant. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen là? Si j'attaque comme ça. Utilisons toutes les couleurs. C'est pas terrible non plus. Ouais, on va faire ça. Écoutez. Avec la forêt. On va faire ça. Vertigineux. Je pense que je vais le faire comme ça. Jamais. Allez, je tac-tac. Ça, ça restera en vie. Inari qui va mettre une petite baffe. Giganto ! Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Je vous arrêterai. Et ciao Lulu. On met quand même 6, hein. Il est à 8, il est pas très frais. Vous connaissez le proverbe? Une lulute perdue. Est-ce qu'on sauve Harry? Harry qui reprend son blast derrière. Je pense que je vais laisser tomber. Quoi? C'est tout? Il faut toujours repousser ses limites! Neuf dégâts d'économiser, je prends. Alors, première chose à faire, ça. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Allez, les gars, le futur, c'est maintenant. Rien ne résiste à un bon rire. Discipline et acier. Ok. Je pense que j'ai une attaque pas mal du tout là. Si ce stun passe, c'est qu'il a pas de spell pour défier. Nous sauverons Demacia. Ok, donc là c'est sûr qu'à 1 il n'y a plus rien. N'a pas besoin d'être sauvé. Ça va donner quoi? Ça va donner ça. Comme ça. Longue vie au dragon. Il va mettre la 4-3 sur Lulu, forcément. Derrière, les deux autres sont dealés. Et je sauve Lulu. Ouais, ça paraît être un bon deal. Comme ça, je garde le pyromacheur, je garde Lulu. Canaille insolente. Ce qui va forcer un éclat sur la Lulu au prochain tour. Ma cause. Mais on y va, les gars. J'aurai le temps de mettre un petit bouclier dessus. Rien de tel qu'aller sur le terrain. La perfection, c'est Pix.
Ouais, je pense que je vais programmer le seinen pour le tour d'après parce que ce tour-ci il est pas trop bien. Mon canon est à la pointe du progrès. S'il veut dealer Lulu, il est obligé d'aller à le challenger avec Chase. Extech prêt. Du coup 3, 4, 5, 6, donc je peux prendre cette luxe, y a pas de souci. Pleine puissance. Et on va tenter quelque chose. Full board. C'est quoi ces pioches? Alors, est-ce qu'il peut sauver du létal? Non. GG Luluari. 3 sur 3. Je vous l'avais dit, il est efficace ce deck. Bon, si vous avez besoin d'autres vidéos sur Lulu ou sur Harry, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les playlists juste à côté de moi. Passez un bon Runeterra, à la prochaine vidéo les amis, ciao.